Bonjour à tous les frères, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis sur Dokkan Battle. Je vous propose un combat sur le Battlefield, le combat qui selon moi est le plus compliqué, c'est contre Zamasu, Agility. Donc il faut privilégier des unités qui stun. En tech, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Des unités qui stun à 50%, bah, il y a le Vegeta, SCJ1. Du film Metal Cooler, mais voilà, je ne le possède pas en extrême. Enfin, en super, il y a aussi le Goku Neo God, le Goku Stage 3 Neo God. Mais bon, le stun est à 20%, je crois, ou 25%. Mais voilà, à 50%, il n'y en a pas des masses. Donc, j'ai privilégié plutôt de jouer ça à une pure. Voilà, tout simplement parce que j'ai réussi à dropper le multiforme, donc ça fait plaisir à la famille. Mais si tu n'as pas le multiforme, je pense que, pardon, tu peux quand même jouer, si tu as que le Vegeta Bleu Evolution. Tu prends Vegeta Bleu Evolution et tu rajoutes Vegeta Bleu, enfin Vegeta Bleu, un leader arc-en-ciel. Enfin, en gros, il faudra que tu ramènes un leader arc-en-ciel. Donc ici, je vais faire les deux. Et du coup, bah, j'ai compté sur lui et sur lui. Le Goku, comment il s'appelle, SCJ1, bah, pareil, Metal Cooler. Qui a un stun à 50%. Comme tu peux le voir, je l'ai pas speedy, c'est SP1, il est mis skin. Vegeta SG3, bah, je l'ai récupéré avec la DS rouge. Et puis j'ai droppé un doublon sur un autre portail. Du coup, bah, je suis content. Qu'est-ce que je vais ramener d'autre? Après, j'ai pas beaucoup de tech là, j'avoue. Peut-être lui. Il est misé contre le blocage de SP, je crois. Ah ouais, annule le blocage de SP. Mais bon, Bardock, ça reste comme une valeur sûre, je trouve. Ce Goku, bah, c'est un ZTR, bah, il va faire mal. Et puis, peut-être quelqu'un qui soigne. Voilà. Parce que sinon, on va un peu galérer. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Bardock, ce qui est bien, c'est qu'il a combat décisif et pari au combat. Du coup, bah, avec la SCJ3, ça devrait bien se passer. Ouais, j'hésite à ramener... Lui, il est combien, lui? Il est SP... Ah oui, il est SP2. Ah ouais, je l'ai pas respecté. Ok. Est-ce qu'il est immunisé contre le debuff? J'avais oublié. Annule les dégâts encaissés. Ah, il est pas immunisé contre le debuff. C'est intéressant, ça. Potentiellement, ça peut m'intéresser, vois-tu. Donc, je vais faire SCJ3 en relation avec le ZTUR. Dans l'autre rotation, je vais garder ce Goku avec... bah, le multiforme, hein, je pense. Hein. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Hein, pendant que ça charge, vous pouvez lâcher votre plus beau pouce bleu de soutien. Ça mange pas de pain. Et puis, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines VOD et surtout les prochaines séances de stream. Activez bien les notifications. Pensez-y, les amis. Merci beaucoup, Albator. Ah là là. Merci beaucoup pour ta grosse donation, frérot. Alors. Évidemment, ça ne m'arrange pas cette rotation. Le SCJ3 se trouve dans l'autre rotation. Bon, on va commencer par tenter le stun. On va dégager l'autre de la rotation. On va dégager ce Vegeta de la rotation pour qu'il rejoigne le SCJ1. J'avoue que c'est pas cool. Encore une fois, j'ai pas le choix, les gars. J'ai pas le choix. Bon, maintenant, Vegeta. En fait, je compte sur Vegeta et SCJ3. Voilà, je vous dis clairement. Et juste sur l'autre de Goku. Mais Vegeta et SCJ3, je sais pas. Je trouve que c'est un beau gosse. Allez, oui. Voilà, je l'ai dit, c'est un beau gosse. Donc, pour les 4 ans, il y aura une DS rouge. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un anniversaire important, une célébration majeure, il y a une DS rouge. En moyenne, il y en a 4 par an. Évidemment, je vous conseille de récupérer au moins une fois Vegeta et SCJ3. C'est 50% de chance de stun, c'est très fort. Pour moi, c'est un des meilleurs tanks du jeu. En plus, il va passer ZTUR prochainement sur la globale. Il est déjà ZTUR sur la version japonaise. Donc, le stun est passé. Bon, on va continuer à appliquer le stun. Hein. On va continuer à appliquer le stun. Pourvu que ça dure, ma gueule. Pourvu que ça dure. Il m'en faut juste 4. Aïe, aïe, aïe. Bon, tant pis. On va appliquer un debuff et tant pis pour le... C'est dommage. Ah, j'aurais peut-être dû laisser les rouges, je suis con là. Bon allez. Une deuxième application, ce serait bien de permastun. Non! Bon, par contre, on l'a pas stun.
Ça, c'est pas cool. Par contre, le debuff, comme je l'ai dit tout à l'heure, en théorie, on peut debuff. Voilà, on peut debuff son attaque et sa défense. Donc, on peut continuellement debuff. Ce serait cool. Ah, l'équipe bleue. Merci beaucoup, frérot. Pour l'instant, on va faire ça. Pour l'instant, on va faire ça. Allez, le stun. Permastun, frérot. Si tu pouvais permastun. Faut pas que le combat dure trop longtemps non plus. Alors, ce Goku sera très très puissant. Enfin, très intéressant une fois les 4 ans. Parce qu'il va pouvoir être. Enfin, il va pouvoir passer TUR. Et je le trouve. Ah non, le stun n'est pas passé. Ouh, l'attaque speed supplémentaire. Évidemment, je vous conseille de tout mettre en attaque sup sur le Vegeta SSJ3. Oh non, la double aspect qui n'est pas passée. Bon, il se soigne pas ici, mais c'est relou là. Putain, il a raté 2 fois. Pour moi, 50%, c'est 1 fois sur 2, wesh. Moi, je suis un peu déçu là. Je suis pas yable. Hein. Bon, il se soigne pas ici, ça va, pour l'instant. Il faut qu'il me laisse partir en spé avant qu'il m'attaque. Enfin, avant qu'il se soigne, pardon. Faut juste vraiment le. Enfin. Moi je vous conseille de partir arc-en-ciel si vous n'avez pas les stunner tech. Bah, en gros, si vous n'avez pas le Vegeta CJ1 tech, je pense que. Essayez de partir en arc-en-ciel. Enfin, arc-en-ciel en Saiyan pur. Le multifang qui fera le café, évidemment. Hein. Une fois forme finale. Oh non, il se soigne le bâtard. Ah le bâtard. Mais t'es sérieux là? Ah ça se fait pas ça. Bah du coup vu qu'il se soigne, autant faire ça quoi. Oh j'ai la haine. Ah j'ai la haine. Ah j'ai la haine. Ah il va se soigner de ouf là en plus là. Il va récupérer 2 millions, 3 millions. Oh là là. Oh ça fout la haine ça. J'ai 2 stunners à 50%, il faut que à chaque fois. Parce que je fais pas 3 millions de dégâts par tour. Pas avec cette team. Allez, le stun qui passe. Oh non! Oh, le stun n'est pas passé. Alors, même si j'ai 2 stunners à 50%, je peux potentiellement perdre. J'avoue, ce serait quand même stupide de perdre. Oh là là. Et en plus, il me rate pas, tu vois. Il me rate pas, je suis midlife là. Ah ouais. Oh là là, laissez-moi le stun là les gars. Ah tant pis, il manque un qui trafiché. Allez Vegeta là, Vegeta, on compte sur toi, mais faut faire attention parce que le Vegeta. Ouf, enfin. Fais attention parce que Vegeta, au bout de la quatrième apparition, je crois qu'il a perdu son passif. Enfin, c'est 7 tours. Non, à partir de... Attends. 1, 3, 5, 7. À partir de la cinquième apparition, il n'aura plus son passif. Donc j'ai intérêt à carburer, les gars. Parce qu'après, il aura toujours le stun, mais j'aurai plus la tankiness. Et ça, c'est dangereux. Ouh, il allait soigner ce bâtard. Regardez, il allait soigner ici. Petit saligo. On va faire ça. Hein. On va essayer les bleus pour lui, pour qu'il nous soigne un petit peu. Ah, j'ai bien fait de l'avoir ramené, regardez. Regardez les PV là. Hop là. C'est pas ouf. Il soignera beaucoup mieux quand il va passer TUR. Allez, faut que le Goku le stun là. Il faudrait vraiment que là il le stun. Allez. Allez, frérot. Oui! Double 50%. Et c'est passé les amis. Ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon. Bon on fait pas beaucoup de dégâts je trouve. Hein. Le dégâts par tour c'est pas oufissime de chez oufissime. Ouais il allait soigner encore ce bâtard. Allez, les gars faut balancer la sauce. J'aurais peut-être dû le spédis le Bardock non. Le Bardock Timebreaker. Dommage qu'il y ait des boosts en point fixe. Faut attendre son passage en ZTR maintenant. Le stun encore. Oui, le permastun, les amis. Permastun, ça c'est bon ça. Vivement son éveil en ZTR, le timebreaker là. Bon, il lui reste 3 barres. Vegeta multiforme va continuer à se transformer tel un beau gosse.
Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, les amis. Donc là, je suis en VG God. La prochaine apparition, je change le plateau. Full key. Et là, il va commencer à bégayer. Ah oui, c'est vrai. Il y a un problème. Il y a un petit problème. Ah, c'est les liens, les gars. Il a combat décisif. J'avoue que c'est flingué, là. Ah, c'est flingué de ouf. Ah, tant pis, hein. Putain, ça fait chier, là. Ah, ça fait chier, les gars. Ça fait chier, les gars. Ah, j'ai bientôt le Dokkan mode. Au tour prochain, en théorie, je le démonte. Hein, je le démonte. En tech, s'il n'y a pas le Goku, il y a pas le Goku S3 tech, ange. Oui, c'est ça, le Neo God. Attends, j'ai pas vu si j'ai stun ou pas. Ah non. Ah, j'ai répondu à un message. Oh, il lui reste 2 barres. Oh, j'espère que je l'ai stun. Oh, s'il te plaît, j'espère que je l'ai stun. Attaque spéciale supplémentaire, Vegeta. Allez. Oh merde. Oh, il est pas stun. Il se soigne ou pas là? Ah, il se soigne pas. Oh, si, il se soigne ici, ce bâtard. Il se soigne ici. Allez, allez, Vegeta. Oh putain, Vegeta. Bon, j'ai balancé un gros mot, mais il fallait que ça sorte. Ah, il faut qu'il place. Ah, il faut que ça marche là. Faut que ça passe. Là, Vegeta. Oh, Vegeta. Deviens le beau gosse. Deviens le MVP, s'il te plaît. Oui. Mais quel beau gosse, Vegeta. En plus, il double SP. Oh là là, MVP le Vegeta. Le Vegeta SCG3 non canon, qui n'a jamais existé, les gars. Mais bon, il fait le taf, hein. C'est tout ce qu'on lui demande. Goku a perdu sa puissance, déjà. C'est bizarre, ça. Il me semblait que c'était 10 tours, à moins que... Oh, les gars. Le plus beau finish du game. Eh, attendez, regardez, il restait... Là, c'est le dernier tour, en fait. Si je le tuais pas, j'allais perdre, en fait. Il restait... C'est le dernier tour. Vegeta. À toi l'honneur. Il restait... C'était le dernier tour. Là, si j'allais... Si je rate, c'est Walida pour moi, tu vois. C'est magnifique. Et en plus, j'ai un Dokkan mode. Alors là, si franchement, Zamasu, si tu survis... Je te donne mon compte. Je te donne ce compte-là. Je te l'envoie par Uber. Uber Pigeon, évidemment. Si Zamasu y survit, je lui offre mon compte. Mon compte free-to-play. Ah, je le donne, direct. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'attaque ultime. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Bim. La violence. Respecte-moi, Souras. À peine 4 millions, moi je suis un peu déçu. C'est dommage qu'il fait pas un coup critique. Mais bon, on peut pas tout avoir. Il m'a bien soigné quand même. Bon bah on a fait le plus dur, les gars. On a fait le plus dur, Zamasu, on l'a soulevé, hein. Avant on avait mis 7 minutes parce que bon, on l'avait stun un peu plus souvent. Donc voilà. Essayez de partir Saiyan pur. Je sais que c'est compliqué, il faut avoir l'un des deux Dokkan Fest là. Mais pour moi je pense que la clé de la réussite c'est ce Vegeta. Enfin il faut des stunners à 50%. Comptez sur les stunners à 30%. Et c'est risqué. Ici, il y a le Gotenks. Le Gotenks Halloween qui stun à 50%. Vous pouvez tenter de partir à intelligence, mais si le stun ne passe pas, il va vous faire très très mal. Hein. Quand il tape sur un type neutre, il fait très très mal Zamasu. Bon, allez, sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Encore une fois, je suis sur mon compte Global Free to Play. J'ai pas mis le moindre centime sur ce compte. Oui, j'ai eu de la chance. Après, ça fait 2 ans que j'ai ce compte. Hein. Évidemment, à partir d'un moment, je finis par dropper certaines unités. Le step-up m'a permis de récupérer Végétable Evolution. Le Végétable Multifarm, bon, j'avoue que j'ai fait une cascade. Mais bon, voilà, parfois ça arrive, hein, parfois ça marche. Bon, allez, sur ce, les amis, passez une bonne journée. Le pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube pour ne pas rater les prochaines VOD. Si vous pouvez regarder quelques pubs sur YouTube pour financer les prochains craquages, ça me ferait très très plaisir. Donc voilà, passez une bonne journée, à tout à l'heure. Ciao.